السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زلنا في قراءة كتاب العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب الماتع هو الداء والدواء، وكان في سرد أثر الذنوب والمعاصي. فنرجع إلى الفصل الذي بدأنا فيه، فصل المعاصي تنسي العبد نفسه. Nous allons reprendre au chapitre « Les péchés amènent le serviteur à s'oublier lui-même ». Les péchés amènent le serviteur à s'oublier, à oublier sa propre personne. « Wa min uqubatiha anna tunsi l'abdu nafsah, wa idha nasya nafsahu ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha, fa in qil, kayfa yunsi l'abdu nafsah ?» وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر وما معنى نسيان نفسه قيل نعم ينسى نفسه أعظم نسيان قال الله العظيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم كما قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم فعاقب سبحانه من نسي عقوبتين إحداهما أنه سبحانه نسي والثانية أنه أنساه نفسه ونسيان سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به نفسه وينسيه ذلك جميعه فلا يخطر بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره وأيضا ينسي عيوب نفسه ونقصانها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. ابن القيم رحمه الله تعالى nous dit que lorsque l'homme tombe dans les péchés, lorsqu'il ne se repent pas des péchés, lorsqu'il reste dans le péché, il y a des effets sur lui. Parmi ces effets, le fait qu'il va s'oublier lui-même. Les péchés font oublier à l'homme son âme. Et lorsqu'il l'oublie, il la néglige, la corrompt et la perd. Si on demande, comment l'homme peut oublier sa propre personne? S'il s'oublie lui-même, de quoi se souviendra-t-il? Et que signifie s'oublier? Que signifie oublier son âme? On peut répondre qu'effectivement l'homme oublie grandement sa personne, oublie grandement son âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction des sens de ce verset de Sourate Al-Hashr, « Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a alors fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. » Lorsqu'ils ont oublié leur Seigneur, il les a oubliés et leur a fait oublier leur propre personne. Comme Allah a dit sur la traduction des sens de ce verset de Sourate At-Tawbah, ils ont oublié Allah, c'est pourquoi il les a oubliés. Que signifie le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nasiyahum, il les a oubliés? On a expliqué la semaine passée que An-Nisyan, fi lughati al-Arab, lahu ma'nayan. Na'am. L'oubli dans la langue arabe a deux sens. Le premier sens,
c'est l'oubli involontaire dû à une imperfection de la science. An naqs fil ilm, c'est lui qui oublie parce qu'il a une imperfection dans la science. Wallahu subhanahu wa ta'ala munazzahum an an-nisyan bi hadha al-ma'na. Qala Allah la yadhillu rabbuka wa la yansa. والمعنى الثاني بمعنى الترك والإهمال الترك والنسيان عن عمد. Le deuxième sens, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala yansahu, il les oublie dans le sens où il les délaisse, il les abandonne à leur propre personne, il les délaisse et ils les abandonnent à leur propre personne. Ça, c'est affirmé pour Allah. C'est min sifatillah al-fi'liyah. Nasullah fanasiyahu. Ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Ay tarakahum. Tarakahum wa takhalla anhum. Naam. Donc, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: Allah inflige à ceux qui l'oublient deux châtiments. Celui qui oublie Allah Azza wa Jal, et ce pourquoi il a été créé, il oublie d'adorer Allah, il oublie de se soumettre à Allah. Allah Azza wa Jal le punit par deux choses. La première, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit qu'Allah l'oublie. لأن الجزاء من جنس العمل. Parce que la rétribution, elle est selon l'action de la personne. Allah Azza wa Jal l'oublie. Et la deuxième punition, c'est qu'Allah fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes. Ils oublient leur propre personne. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala explique le sens de tout ça. Et dit, l'oubli d'Allah consiste en son abandon de l'homme, son délaissement et son égarement. Ainsi, la perte est plus proche de lui que la main n'est proche de la bouche. Celui qu'Allah azza wa jalla oublie, celui qu'Allah délaisse et abandonne, ça veut dire qu'il va être à sa propre charge, à lui-même. Et que les shayatines pourront se jouer de lui. Min al-insi wal-jin. Il n'aura plus la protection du fort, du puissant, du savant, de celui qui voit tout et qui sait tout. De Arham al-Rahimi. Mais il sera à sa propre charge. Wa khuliqa al-insan dha'ifa. Il a la charge alors de qui? De sa propre personne. Et l'homme, il a été créé comment? Fort ou faible? Faible. Wa khuliqa al-insan dha'ifa. Quant au fait qu'il fasse oublier son âme à l'homme ou sa propre personne, cela consiste en ce qu'il lui fasse oublier de lui accorder ce qui lui revient de plus élevé, ce qui amènera bonheur, succès, rectitude et ce qui le parfaira. Il lui fait oublier tout cela et ainsi il ne fait pas venir cela à l'esprit de l'homme, ne le fait pas s'en souvenir, ne dirige pas vers cela sa préoccupation et ne lui fait pas convoiter. Cela ne lui vient donc pas à l'esprit pour qu'il puisse la convoiter et le choisir. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, Allah azza wa jal fait en sorte que l'homme s'oublie lui-même. Ça veut dire qu'il va délaisser les agissements qui vont l'anoblir. Il va délaisser les agissements qui vont l'élever chez Allah, qui vont l'élever dans ce bas monde, fil dunya, et qui vont l'élever dans l'au-delà, fil jannah. Il ne va pas faire ce qui est bon pour lui. Comme quoi? Comme dhikrullah. Comme quoi? Comme le repentir, la tawbat wa al-sirfa. Comme quoi? Comme al-muhafadat ala salawat. Fi masajidillah. Il ne va pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il a oublié Allah. Alors il a été puni en oubliant sa propre personne. Ainsi il ne travaille plus pour sauver sa personne. Il n'agit plus pour affranchir sa personne. Il ne concrétise plus le but pour lequel Allah Azza wa Jal l'a créé. C'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul d'un culte sincère. À un point tel que ça ne lui vient même pas à l'esprit. Allah lui fait oublier à un point tel que ça ne lui vient même pas à l'esprit. Donc il ne pense pas à ça, donc il ne s'en rappelle pas. Comment est-ce qu'il pourra le faire alors qu'il l'a oublié? De même, il lui faut oublier les défauts. Celui qui oublie Allah, Allah azza wa jal va faire en sorte qu'il oublie sa personne. En plus de faire le bien pour lui, il va oublier ses défauts. Et celui qui oublie ses défauts, comment est-ce qu'il pourrait se corriger? Comment est-ce qu'il pourrait s'améliorer? Comment est-ce qu'il pourrait travailler sur lui
alors qu'il ne voit pas ses défauts. Et c'est pour ça, parmi les grandes portes de bien, le fait que le serviteur voit son imperfection. Le fait que le serviteur voit ses défauts, comme ça il fait dua, il demande pardon à Allah Azza wa Jal pour ses imperfections. Aussi il fait dua, il demande à Allah de l'aider à s'améliorer. Puis il demande au serviteur, il demande aux gens de science de l'aider à se corriger. Et il fait des efforts pour s'améliorer. Quant à celui qui se voit parfait, quant à celui qui ne voit pas ses défauts, comment est-ce qu'il va se corriger? C'est pour ça que parmi les grands bienfaits d'Allah sur le serviteur à qui il a voulu le bien, c'est qu'il lui facilite une assise pieuse. Une assise dans laquelle il va entendre comment était le prophète alayhi salatu wassalam, dans son adoration, dans sa tenue, dans son comportement. Comme ça, il se corrige. Il apprend dans les assises de science. Deuxièmement, parmi les grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur le serviteur à qui il a voulu le bien, il lui facilite un ami sincère. Il lui facilite un ami sincère, c'est-à-dire qu'il va le conseiller. Un ami qui va lui dire la vérité. Un ami qui va lui dire ses défauts. Pas qui va aller à droite, à gauche parler sur lui, non. Mais un ami qui veut pour lui qu'il évite l'enfer et qu'il rentre fil Jannah. Un ami qui va lui dire la parole, même si elle est amère, avec sagesse, avec science. Pourquoi? Pour son bien, pour qu'il se corrige. Et comme le disait Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, des fois pour laver le vêtement, tu as besoin de frotter fort. Na'am, avec les deux mains. Ben de la même façon, lorsque tu veux te corriger le frère, il se peut que tu aies besoin d'être sévère parce que c'est ce qui est bon pour lui. Parce qu'il est arrivé à un niveau, si tu le laisses comme ça, il court à sa perte. Na'am, alors on va faire preuve de sévérité pour qu'il se réforme. De même, il lui a fait oublier les défauts, imperfections et fautes de son âme, si bien qu'il ne lui vient pas à l'esprit de les faire disparaître et de les amender. Aussi, il lui fait oublier les maladies et souffrances de son âme et de son cœur, si bien qu'il ne lui vient pas à l'esprit de les soigner, qu'il ne tente pas de faire disparaître ses souffrances et maladies qui le conduisent à la corruption et à la perte. Aïwan yunsihi amrad nafsihi wa qalbihi wa alamiha وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه مترام به إلى التلف ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواتها وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. Donc il ne pense pas à se réformer, à corriger les maladies de son âme et ni à les faire disparaître. Il est donc totalement meurtri par la maladie et sa maladie le conduit à la destruction sans même qu'il n'ait idée de sa maladie et ne se soucie de la soigner. فَأَيُّ عُقُوبَةٍ أَعْظَمُ مِنْ عُقُوبَةٍ مَنْ أَهْمَلَ نَفْسَهُ فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم. Est-il un châtiment plus grand? C'est un des pires châtiments collectifs et individuels. Puis Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, est-il un châtiment plus grand que celui qui néglige son âme et la paix, oublie ses intérêts, sa maladie et son remède, et le moyen de parvenir au bonheur, à la réussite et à la vie éternelle dans les délices permanents? Est-ce qu'il y a un châtiment plus douloureux que celui-ci? Celui qui vit fil dunya, il vit dans ce bas monde, et il néglige son âme, il néglige sa personne. Il ne fait pas ce qui est bon pour sa personne. C'est-à-dire qu'il va la sauver de l'enfer et qui, par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, la fera entrer au paradis. Il néglige sa personne, c'est-à-dire sa maladie pour s'en défaire et son remède pour l'appliquer et les moyens de parvenir à ce bonheur. La science et les causes qui y mènent, il néglige tout ça. Il néglige la réussite, le succès dans ce bas monde et l'au-delà. À la vie éternelle dans les délices permanents. Tout cela, il le néglige. La cause de tous ces maux est une. C'est qu'il a oublié Allah. C'est qu'il n'a pas oublié Allah.
c'est qu'il n'a pas cherché à connaître Allah Azza wa Jal, à se soumettre à lui. Car le bonheur tout entier se trouve dans la main d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui cherche ce bonheur, il doit courir vers Allah Azza wa Jal. Il doit aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous dit, rahimahullah, وَمَنْ تَأَمَّلَ هَذَا الْمَوْضُعِ هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا حقيقة أنفسهم وضيعوها وضاعوا حظها من الله وباعوا رخيصة بثمن بخس بيع الغبن وإنما يظهر لهم هذا عند الموت ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي اتجر فيها لمعاد فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا للآخرة. Celui qui médite sur ce point constatera que la plupart des hommes ont en réalité oublié leur âme. Subhanallah. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit: celui qui comprend ce sujet, le médite, va s'apercevoir d'une chose qui est très grave. C'est que la plupart des gens ont oublié leurs âmes, ont oublié leur âme, ont oublié leur personne, ont oublié d'agir selon ce qui allait affranchir leur personne de l'enfer. Ont oublié d'agir selon ce qui allait faire entrer par la grâce d'Allah et sa miséricorde leur personne au paradis. Ont oublié leur âme, l'ont perdu et privé d'Allah. Ils l'ont vendu pour un prix qui est vil. Ils ont vendu leur âme contre un prix qui est vil, dans une transaction où ils ont été trompés. Subhanallah. Ils l'ont échangé contre quoi? Contre la dunya, contre le plaisir du péché éphémère, duquel découlera toutes ces choses qui sont ta mère. Ils ont été trompés. Cela ne leur apparaîtra qu'au moment de la mort et de manière éclatante au jour qu'on appelle Yawm al-Taghabun. Yawm al-Taghabun, c'est un des noms de Yawm al-Qiyam. Yawm al-Taghabun, c'est une des appellations du jour de la résurrection, du jour du jugement dernier. Et il y a une sourate dans le Coran qui s'appelle al-Taghabun, n'est-ce pas, dans Juz Qadesemi Allah. Ce jour-là, yani al-Taghabun, ça signifie quoi? La grande perte. Yani lorsqu'une personne fait un commerce, elle vend une chose qui coûtait cher, elle la vend vraiment à bas prix, elle s'est fait avoir. Ou elle achète une chose très chère alors que ça ne coûtait vraiment pas ce prix. Ça, c'est une arnaque. C'est al-Taghabun. Ben, Yawm al-Qiyam, on l'appelle Yawm al-Taghabun. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, en réalité, nous tous dans ce bas monde, on fait du commerce. Est-ce que c'est compris cette base? Tout autant que nous sommes, tous autant que nous sommes dans ce bas monde, nous faisons tous du commerce. Je ne parle pas du commerce avec les sous, mais le commerce, notre âme, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les hasanat et les sayyiat. Il y en a qui vont affranchir leur âme, ils ont payé le prix. Et il y en a qui vont détruire et anéantir leur âme. Ils n'ont pas voulu payer le prix. Comme à la fin du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Quel est ce prix-là? Al-tawhid wa ta'a. Al-tawhid wa ta'a, c'est le prix du Jannah. Avec ça, tu reçois la miséricorde d'Allah. Et lorsqu'Allah te fait miséricorde, il te fait rentrer au paradis. Non pas que ça, avec ça tu achètes le paradis directement, non. Avec ça, Allah a pitié de toi. Avec ça, Allah te fait miséricorde. Et lorsqu'Allah te fait miséricorde, alors il te fait entrer au paradis. Pas parce qu'on le mérite, mais par la grâce et la miséricorde d'Allah. La preuve de cela, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: I'lamu an la yadkhula ahadun al-jannata illa yani bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana. La yadkhula ahadun al-jannata bi'amali. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: sachez que personne n'entrera au paradis grâce à ses actions, en échange de ses actions, par ses actions.
Il y a un échange. Il a des hasanat, ou bien il a fait des bonnes actions, on lui dit rentre au paradis, ça a acheté les paradis. Non. Personne n'a assez pour acheter le paradis d'Allah. C'est bien trop cher. Ils lui ont dit, ni même toi, au message d'Allah, il a dit, ni même moi. C'est-à-dire, toi, tu es celui qui a le plus de hasanat. Est-ce que toi, tu pourrais? Non. Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Donc, les savants ont dit que la personne, avec les bonnes actions, en délaissant les mauvaises, Allah lui fait miséricorde. Et quand Allah lui fait miséricorde, de par sa miséricorde, il le met au paradis. Il le met au paradis. Quant au verset, « Udkhulul jannata bima kuntum ta'amalun », le « ba », c'est pas « ba » ou « l'iwab », c'est pas le « ba » de l'échange, ça contre ça. Mais c'est « as-sabab », c'est la cause. C'est la cause qui amène la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, qui amène donc le paradis. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, la personne, le serviteur, il fait du commerce ici. Il y en a qui vont réussir ce commerce parce qu'ils ont sacrifié ce bas monde et certains de ses plaisirs les interdits pour avoir des plaisirs éternels. Eux ont la grande réussite. Ça, c'est le fawz. C'est la réussite, c'est le succès. Et d'autres personnes ont choisi de vendre leur au-delà contre ce bas monde. Et c'est ça, et taraboum. C'est ça la grande perte. C'est que ça va devenir éclatant, mais pas dans ce bas monde. Dans ce bas monde, c'est ce qui est apparent. Dans ce bas monde, c'est la course aux richesses. Mais yom al-qiyamah, il n'y aura plus ces richesses-là. Il y aura hasana, siyya, jannana. Alors ça va apparaître. Ça va apparaître très clairement pour tout le monde que c'est ceux qui ont fait ce choix-là sont les grands perdants. C'est pour ça qu'on a appelé ce jour comment ? Yom et Tarabun, le jour de la grande perte. Le jour de la grande perte. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsque l'homme réalisera qu'il a été trompé dans le contrat qu'il a signé pour son âme en cette demeure, et le commerce qu'il en a fait pour l'au-delà, car tout homme commerce en cette vie pour l'au-delà. Les perdants, فَالْخَاسِرُونَ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ أَهْلُ الرِّبْحِ وَالْكَسَبِ اِشْتَرَوِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَحَظَّهُمْ فِيهَا وَلَذَّاتَهُمْ بِالْآخِرَةِ وَحَظَّهُمْ فِيهَا فَأَذْهَبُوا طَيِّبَاتَهُمْ في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز وقالوا هذا هو الحزم ويقول أحدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. Les perdants sont ceux qui pensent réaliser profit et gain, qui achètent la vie d'ici-bas et ne se consacrent qu'à elle et ses délices. Les grands perdants, qui sont-ils? Ce sont ceux qui pensent, selon eux, que ce sont de bons commerçants. Lorsqu'ils arrivent à amasser la dunya, même dans le haram, ils se disent « Nous sommes les meilleurs commerçants. Nous avons réussi à faire des bénéfices. » Or, ils ont eu de la dunya, mais à chaque fois qu'ils avaient de la dunya dans le haram, ils sacrifiaient leur au-delà. Ils sacrifiaient leur paradis. C'est cet agissement qui consume leurs biens en ce bas monde, sans délecte, sans satisfait et sans contente, et dont l'effort ne consiste qu'à obtenir davantage. Leur seul but, augmenter le bénéfice, augmenter les richesses. Même s'il faut pour cela désobéir Allah et son message. Voici les gens de la grande perte. Ils ont donc cédé, acheté, commercé et vendu l'au-delà pour ce bas monde. Préféré un gain comptant à un profit à terme. Ils se sont dit, là, le bénéfice, on nous le donne cash. Nous, on préfère avoir un bénéfice cash que d'avoir un bénéfice où il faut attendre. Parce que selon eux, les gens de la dunya, le cash dans la main, ça, c'est une réalité, c'est sûr. Naam.
Quant au paiement différé, pour eux, c'est pas sûr. Alors que nous, nous disons, nous les gens de la foi, nous disons que ce qu'Allah promet, c'est encore plus sûr que ce qu'on voit avec nos yeux. Parce que tu peux te tromper quand Allah ne se trompe pas. Et ce que tu as ensuite dans ta main, ça peut disparaître. Ça peut disparaître. Combien ont construit des maisons, il y a une tempête, la maison elle est tombée. Soit toi tu quittes la maison, suite à un décès, soit la maison te quitte, suite à un problème. Quant à ce qu'Allah te promet, ça ne disparaît pas. La mort sera sacrifiée, tu rentres fil d'Yannah, tu n'en sors plus. Tout ce que tu veux, tu l'as. Tout ce que tu penses avoir, tu l'obtiens. Et c'est encore meilleur que ce que yani, ce qu'on peut imaginer. C'est meilleur que tout ce qu'on a vu. Personne n'a pu l'imaginer. Ça, c'est la réalité. Or, ce bas monde, en réalité, c'est comme un rêve. Une personne est partie dormir, elle s'est réveillée. Et tout ce qu'elle a eu dans son rêve, au réveil, elle ne le voit plus. Ça, c'est tarab. Ça, c'est la grande perte. Une marchandise présente, ils ont préféré une marchandise présente à une autre à venir en disant, c'est là la sagesse. Pour eux, c'est ça l'intelligence et la sagesse. L'un d'eux a même dit, prends ce que tu vois et laisse ce dont tu as entendu parler. A'oudou billah. Ils disent quoi? Prends ce que tu vois, la dunya, et laisse ce dont tu as entendu parler. C'est-à-dire dans le Coran, dans le Sunna. Il a dit, peut-être tu vas la voir, peut-être tu ne vas pas la voir. Or, la dunya, elle est devant toi, prends-la. Ça, c'est la parole de ceux qui n'ont pas compris la réalité du commerce. Comment vendrais-je? Ils disent, comment vendrais-je une chose présente au prix comptant en cette vie pour une chose absente, payable à terme en une demeure autre que celle-ci? Ils disent, ce commerce-là dans dunya, je vois la dunya, on me la met dans la main, cash. La récompense, elle est tout de suite. Et vous, vous me demandez de laisser ça pour une chose que je ne vois pas, et on va me payer en différé. Donc pour eux, ça, c'est un mauvais commerce. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَاتِ. Mais nous, on connaît Allah subhanahu wa ta'ala. On sait qu'Allah azza wa jal nous enseigne dans le Coran qu'il n'y a pas plus véridique que lui. Et personne ne tient mieux sa promesse qu'Allah azza wa jal. Parce que nul ne saurait le faire échouer. Subhanahu wa ta'ala. Nul ne saurait l'appauvrir. Na'am. Et l'empêcher de faire ce qu'il a promis, tabaraka wa ta'ala. Puis l'auteur nous dit, wa kayfa abi'u hadiran naqdan mushahidan fi hadhihi ad-dar bi ghaibin nasi'atan fi darin ukhra ghayriha. وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان أو ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وقال فيهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فإذا كان يوم التغاب ظهر لهم الغبن في هذه التجارة فتقطع عليها النفوس حسرات. Ibn Qayyim رحمه الله تعالى nous dit ensuite, s'ajoute à cela tout ce qu'on a cité, la mauvaise perception du commerce et de la réussite et du bénéfice, s'ajoute à cela la faiblesse de la foi. La personne, elle a un mène raïf. La force des désirs. En plus d'avoir une foi faible, le désir est grand et important. Elle dit, il est tenté, la tentation, elle est extrême. Et elle vient s'ajouter à une foi qui est très basse. Une troisième chose s'ajoute, c'est quoi? L'amour de ce bas monde. Donc retenez cela. Ces causes viennent, yani, rendre la situation encore plus catastrophique. La première, c'est que la foi est faible. La foi est faible. La deuxième, c'est que la tentation et le désir appelant est grand. Troisièmement, l'amour de ce bas monde. L'attachement à ce bas monde est immense.
Et pour finir, l'imitation de ses semblables. Ibn Qayyim a dit, la plupart des gens se comportent comme ça. Donc le fait de voir autour de soi des gens se comporter comme ça, ça concourt à faire tomber l'homme dans ce péché-là, l'homme dans ce comportement-là. Il n'aura pas honte vu que tout le monde, ou presque plutôt, presque tout le monde se comporte ainsi. Donc il ne sera pas gêné de lui-même se laisser aller. Wal'iyadu billah. Ainsi, la plupart des hommes sont en commerce perdant. La plupart des hommes sont en ce commerce perdant. Dont Allah dit de ceux qui le pratiquent, ce commerce, donc selon la traduction de ces versets de Sourate Al-Baqarah, voici ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Leur châtiment ne sera pas diminué et ils ne seront point secours. Allah Azza wa Jal nous montre que ces commerçants-là en réalité sont les grands perdants. Ils vont rentrer en enfer et ils ont un châtiment qui ne va jamais diminuer. Au contraire, Allah Azza wa Jal dans le Coran nous montre qu'ils vont demander à Allah qu'on allège leur châtiment et il ne fera qu'augmenter. Et même entre les gens de l'enfer, ils vont faire dua les uns contre les autres. Ils vont demander à Allah d'augmenter le châtiment des têtes, des dirigeants, des guides du haram, des imams de l'égarement. Allah Azza wa Jal va augmenter leur punition, mais il va dire li kulli min dhi'f. C'est pas que pour eux, pour vous tous. Allah Azza wa Jal va augmenter le châtiment pour eux tous. Allah nous informe également, où le prophète alayhi salatu wa salam nous informe également qu'en enfer ils auront une peau qui est très large. Et les savants de Dunya disent que la douleur, elle est dans la peau. La plus douloureuse, elle est. L'effet le plus douloureux, il est avec la peau. Pas lorsque tu retires la peau en dessous, non. Mais lorsqu'il y a la peau. Allah Azza wa Jalla en Coran nous enseigne que c'est un feu ardent qui va consumer leur peau. Et il nous dit Kullama navijat juludu baddalna. À chaque fois que leur peau sera consumée, baddalna, on la remplacera par une autre peau. Subhanallah. Pourquoi? Pour qu'ils subissent, pour qu'ils goûtent le châtiment. Regardez, ils ont couru après la dunya, ils ont échangé la dunya contre l'au-delà. Ben, ils vont avoir la réponse à cela. Et ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu le commerce. Eux qui pensaient gagner. Naam. Il dit, comment est-ce que moi je vais arrêter de vendre la drogue alors que par jour je prends telle et telle somme? Tu crois que je vais aller travailler pour 1000, 2000 euros, 3000, même 3000, même 4000 euros? Non. Il dit, moi j'ai énormément de bénéfices. Allah Azza wa Jal nous dit, ces gens-là, ce ne sont pas eux qui ont des bénéfices. Ceux qui trichent, ceux qui font riba, ceux qui volent, ceux qui arrachent, ceux qui... Ces gens-là sont les perdants. Voici ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Leur châtiment ne sera pas diminué et ils ne seront point secourus. Ils ne seront point secourus. Ils ont choisi ce bas monde, ils ont délaissé le tawhid. Ils ont choisi ce bas monde, ils ont délaissé sunna. Ils ont choisi ce bas monde, ils ont délaissé l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Alors ils auront ce châtiment. Dans l'autre verset, la traduction, leur négoce n'a pas été bénéfique. Dans leur vision, dans leur perception, ce sont les grands gagnants, les grands bénéficiaires. Allah nous dit non. Leur négoce n'a pas été bénéfique. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ. Leur commerce n'a pas été fructueux. Et ils ne sont pas bien guidés. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, et au jour de la grande perte, la tromperie de ce commerce leur apparaîtra et les âmes se seront brisées de désespoir et de regret. C'est aussi le jour des regrets. C'est aussi le jour des regrets. Et les savants nous disent, lorsqu'une seule et même chose a plusieurs appellations, ça nous montre sa grandeur. Ça nous montre aussi la multitude de ses états. Et Yom al-Qiyama, le jour de la résurrection, a beaucoup de noms. Qu'est-ce que signifie cela? Ça signifie que Yom al-Qiyama, il y a beaucoup de situations, beaucoup d'événements, et que c'est un jour terrible. C'est le jour de la grande perte, par exemple. C'est le jour des comptes. C'est le jour des regrets. Tout ça, ce sont des situations et des états qu'on trouvera Yom al-Qiyama. Et une bonne mada, un bon travail à faire, naam, cherchez dans le Coran toutes les appellations de Yom al-Qiyam. Naam.
Inch'Allah, la semaine prochaine, apportez. Naam, apportez ce travail-là. Notez toutes les appellations que vous trouvez dans le Coran. Des appellations de Yom Al-Qiyam. Naam. Et on lira cela, Inch'Allah Ta'ala. Donc, au jour de la grande perte, la tromperie de ce commerce leur apparaîtra. Ou plutôt, la tromperie de ce commerce leur... Il y a quelqu'un qui a apparaîtra. Moi, j'ai apparaître. C'est une faute. Et les âmes en seront brisées de désespoir et regret. Quant à ceux qui gagneront, ce sont ceux qui ont vendu ce qui est éphémère pour ce qui est éternel. Ça, on le note. On le retient. On doit connaître les caractéristiques des gens de l'égarement. Les caractéristiques des gens de la grande perte pour s'en préserver, s'en éloigner, se corriger. Invoquer Allah de nous en préserver. Mais on doit aussi connaître les caractéristiques de ceux qui font du bénéfice, des grands commerçants. Ibn al-Qayyim nous dit, quant à ceux qui gagneront, ce sont ceux qui auront vendu ce qui est éphémère pour ce qui est éternel. Qu'est-ce qui est éphémère? Ad-dunya, ce bas monde. Le plaisir de ce bas monde. Pour ce qui est éternel, qu'est-ce qui est éternel? C'est Yom al-Qiyam, c'est le paradis et ses délices. Ils ont vendu ce qui est vil pour ce qui est précieux. Le prophète sallam nous dit, avant cela on finit, ce qui est méprisable pour ce qui est immense, et qui auront dit, quelle est la valeur de ce bas monde, et de son commencement à sa fin, pour que nous vendions pour lui notre part d'Allah et de l'au-delà. Allahu Akbar. وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق وخسيسا بنفيس وحقيرا بعظيم وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظها من الله تعالى والدار الآخرة بها فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمان القصير الذي هو في الحقيقة كرفوة كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار القرار البتة قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يتعارفون بينهم وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ وقال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما Allahu Akbar. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit les gens de la réussite sont ceux qui auront dit quelle est la valeur de ce bas monde, de son commencement à sa fin. Yani tout ce bas monde, toute cette dunya, depuis le premier jour Allah Azza wa Jalla l'a créé jusqu'à Yom al-Qiyam. Quelle est sa valeur? Pour que nous vendions pour lui notre part d'Allah et de l'au-delà. Alors que dire de ce qu'en obtient l'homme en ce temps court qui n'est en réalité semblable qu'à une somme, qu'à un somme? Ils ont oublié le. Une somme sans
aucune valeur face à la demeure éternelle. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, ce bas monde ne représente rien. Ce bas monde tout entier, depuis le jour où Allah l'a créé, jusqu'au jour où Allah azza wa jal permettra à l'ange de souffler dans la trompe et ce sera la fin du monde. Puis il nous dit, s'il en est ainsi pour ce bas monde entièrement, dans son entièreté, du premier jour au dernier, que dire alors le laps de temps qui vit Ibn Adam dedans? Est-ce que c'est compris? Ibn Adam va y vivre 60 ans, 70 ans, 50 ans plus ou moins. Or, l'entièreté de ce bas monde, du premier au dernier jour, il ne vaut rien, cher. Et toi, tu vas y vivre, et nous, nous allons y vivre une soixantaine d'années, comme a dit le prophète sallam, pour la plupart d'entre eux. À plus forte raison, il ne vaut rien. À plus forte raison, il ne vaut rien. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, ça n'a aucune valeur face à la demeure éternelle. Ça n'a aucune valeur. Et pour qu'on puisse véritablement visualiser cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, alors qu'un jour il est au marché, il voit un âne mort avec de courtes oreilles, c'est-à-dire avec des défauts qu'il aurait eu déjà étant vivant. Puis il dit aux compagnons, « Men yashtari hadan ?» Qui va acheter cela? Ils lui ont dit, « Ya Rasulallah, s'il avait été vivant, il aurait été méprisable. Que dire alors après son décès? Qui veut cela gratuitement ?» Ils ont dit, « Ya Rasulallah, même gratuitement ?» Ou plutôt, ils ont dit, « Même gratuitement, on n'en voudrait pas. » Puis il les a éduqués, il leur a dit, la dunya ahwanu indallah min hadha indakum. Ou comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, ce bas monde est encore plus méprisable chez Allah que ça pour vous ici. Que ça pour vous ici. Subhanallah. Ce bas monde ne représente rien. Ce bas monde ne représente rien. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a ensuite cité des versets qui nous montrent que le laps de temps qu'on vit dans ce bas monde, il est très rapide. Et que ce bas monde n'a pas de valeur. Parmi lesquels, dans Surat Yunus, dans Surat Nazi'at, Al-Ahqaf, Al-Mu'minun, Taha, dont les traductions sont, les sens sont, et le jour où il les rassemblera, ça sera comme s'il n'était resté, c'est-à-dire sur terre, qu'une heure, c'est-à-dire qu'une partie du jour, et ils se reconnaîtront mutuellement. Allah Azza wa Jalla nous enseigne dans le Coran qu'arrivé Yom Al-Qiyama, les gens ont eu la sensation d'être restés fi dunya pas un jour entier, une partie de la journée. Quelle est donc cette dunya qui, lorsque tu la quittes, c'est comme si tu avais passé une seule partie de la journée? Est-ce que ça mérite de la vendre contre l'au-delà, le paradis éternel? Un autre verset, il t'interroge au sujet de l'heure. Quand arrivera-t-elle? Qu'en sais-tu pour leur dire? Sa date n'est connue que de ton Seigneur. Tu n'es qu'un avertisseur pour ceux qui la redoutent. Puis Allah nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré sur terre qu'une soirée ou qu'une matinée. C'est ça la part de ce bas monde. Donc il ne faut pas la sacrifier. Il ne faut pas succomber. Il ne faut pas baisser la garde. Et perd un paradis éternel vaste comme les cieux et la terre. Dans un autre verset, toujours sur la traduction, le jour où ils verront ce qu'il leur est promis, il leur semblera qu'ils ne sont restés, c'est-à-dire sur terre, qu'une heure d'un jour. C'est un message clair. Dans l'autre verset, toujours sur la traduction, il leur demandera, combien d'années êtes-vous restés sur terre? Ils répondront, nous y avons demeuré une journée ou une partie d'un jour. Ça sera leur ressenti. Ça sera leur ressenti, une journée ou une partie d'un jour. Interroge donc ce qui fait les comptes. Ceux qui font les comptes, je suppose, ils diront, vous n'y êtes resté que peu de temps si seulement vous saviez. Non.
المصحف سورة المؤمنون على فان سورة المؤمنون. Ah, c'est bon. En français, là. En français, avec la traduction. Vous êtes là. Surat al-Mu'minun, verset 100. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, ce jour-là, nous rassemblerons les criminels. Bleus de peur, ils chuchoteront entre eux. Vous n'êtes restés sur terre que 10 jours. Nous savons parfaitement ce qu'ils diront. Et le plus droit d'entre eux dira, vous n'êtes resté qu'un jour. Donc tous ces textes nous montrent quoi? Que le passage de ce bas monde en réalité est très rapide. Et que ça mérite de notre part de l'endurance car c'est rapide. Puis la finalité c'est un paradis vaste comme les cieux et la terre, il n'y a plus d'interdit. Allah dit dans le Coran, wala mamnoua. Il n'y a pas d'interdit, fil jannah. Tout ce que tu veux, sans exception, tu l'auras. Et la chose que tu n'auras pas, c'est parce que tu ne l'auras pas souhaité. C'est parce que tu ne l'auras pas souhaité. La seule crainte que les gens du paradis auront, c'est quoi? C'est d'en sortir. Puis on leur enlèvera cela. On va sacrifier la mort entre le paradis et l'enfer. Hein, ils vont alors être heureux à un point tel que le prophète alayhi salam a dit, ils seront tellement heureux que si la mort n'avait pas été sacrifiée, ils seraient morts de bonheur. Allah Akbar. Et les gens de l'enfer vont être tellement déçus que si la mort n'avait pas été sacrifiée, qu'ils seraient morts de déception. Allah Akbar. Ça, pour cela, il faut du sabr, il faut de l'endurance, il faut délaisser les péchés. Il faut s'en repentir, il faut rester ferme. Il faut soigner les cœurs. Il faut étudier sa maladie et son remède. Hakada barakallahu fikum. Ça sera là la réalité de ce bas monde lorsque surviendra le jour de la résurrection. C'est après la mort que les gens vont se réveiller. C'est après la mort que les gens vont savoir qu'ils se sont fait avoir en ce bas monde. فهذه حقيقة الدنيا عند موافاة يوم القيامة فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار هي دار الحيوان ودار البقاء رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء فاتجروا تجارة الأكياس لم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروا وكل أحد في هذه الدار الدنيا بائع مشتر متجر وكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحديث كما أبورت الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ابن القيم رحمه الله تعالى ندي ce sera là la réalité de ce bas monde lorsque surviendra le jour de la résurrection, lorsqu'ils réalisent le peu de temps qu'ils y demeurent et qu'ils auront une demeure autre que celle-ci. Yani, ça n'est qu'au moment où ils vont partir de ce bas monde vers l'au-delà qu'ils vont se rendre compte que ce bas monde ne vaut rien et qu'ils y sont restés qu'un laps de temps. Ce qui est la demeure véritable et la demeure éternelle, ils constatent la grande tromperie qu'est la vente de la demeure éternelle pour la vente éphémère. Ainsi, ils commercent à la manière des gens avisés, des gens intelligents, et ne sont pas trompés par le commerce des sots. Au jour de la grande perte, leur apparaîtra le gain de leur commerce et de la valeur de ce qu'ils ont acquis. Ibn Qayyim nous a parlé de deux catégories. La première, c'est ceux qui, au Al-Qiyamah, vont s'apercevoir de la tromperie qui les a touchés. Ils ont vendu l'au-delà contre ce bas monde. Mais il y a aussi ceux qui ont été intelligents, ceux qu'Allah a guidés. Ils ont vendu ce bas monde pour l'au-delà.
Ils ont vendu ce bas monde pour l'au-delà. Et certes, dans tout contrat de mariage, il doit y avoir une dot. Ceux qui ont avancé la dot, ceux qui ont sacrifié pour un investissement à long terme, durable et même éternel, voici elle acquis à ceux qui sont intelligents. Au jour de la grande perte, leur apparaîtra le gain de leur commerce et la valeur de ce qu'ils ont acquis. Tout homme en ce bas monde vend, achète et commerce. Comme dans le hadith, tout homme se lève et fait commerce de son âme. Certains la franchissent et d'autres la perdent. Quand Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous enseigne ces grands sens, il ne faut pas comprendre de sa parole que dans ce bas monde, il n'y a pas de récompense. Mais que la récompense éternelle, durable et complète n'a lieu que en Al-Qiyamah. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais en réalité, mes chers frères, dans ce bas monde, les gens de l'obéissance ont des plaisirs, des délices, des états du cœur, des récompenses. Non, le niveau le plus bas d'entre eux, le niveau le plus bas qu'obtient l'un d'entre eux, les plus grands pécheurs de ce bas monde, ayant amassé toutes les richesses de ce bas monde, n'atteignent pas leur plaisir. Le plus pauvre des croyants, le plus malade des croyants, obtient un plaisir de par le fait d'avoir choisi Allah uniquement Seigneur, le fait d'avoir choisi Allah uniquement en divinité digne d'être adoré, le fait de poser son front que pour Allah tabaraka wa ta'ala, de s'incliner, se prosterner, lire le Coran que pour Allah azza wa jal, de s'asseoir dans les assises de science que pour Allah, de prier que pour Allah, de sortir la zakat que pour Allah, de jeûner Ramadan que pour Allah, de s'abstenir, de manger, de boire et de ce qui plaît Allah que, à l'âme que pour Allah, de délaisser les péchés que pour Allah. Ces gens-là, Allah azza wa jal leur donne un plaisir qui est la joie du cœur, l'apaisement de la poitrine, le repos, la foi au destin, la tranquillité, la sérénité et la soif de rencontrer leur Seigneur Yom Al-Qiyam. Ainsi ils agissent. Et à chaque fois qu'ils disent Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, ils sentent leur cœur bouger et vibrer et leur foi augmenter. Et Allah Azza wa Jal les comble d'un goût que personne ne connaît sauf celui qui l'a goûté. Halawat al-Iman, le goût de la foi. Les pécheurs, ceux qui trouvent leur plaisir dans l'alcool, la drogue, la fornication, la domination des autres, le fait d'assujettir les serviteurs d'Allah à leur propre personne et de les rendre esclaves de leur personne, ces gens-là ne goûtent pas à ce plaisir. Ils ne goûtent pas à ce bonheur. Au contraire, ils goûtent à une prison de l'âme. Ils goûtent à un châtiment de l'âme. Ils goûtent à une amertume dans cette vie. Ils sont dans des ténèbres et ils essayent de noyer ces ténèbres par des péchés. Alors ils rajoutent des péchés pour en sortir, mais ça ne fait que les noyer encore plus. Des couches de noirceur se mettent alors sur leur cœur et alors ils ne voient plus. Comment est-ce qu'on peut comparer ce plaisir éphémère à la suite duquel il n'y a que supplice, punition, désarroi, maladie et j'en passe, à une épreuve qui ne dure qu'un laps de temps et en réalité à l'intérieur de sa poitrine, il est déjà dans un paradis. Ibn Qayyim dit, les anciens disaient, il y a dans ce bas monde un paradis. Celui qui n'y entre pas n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Quel est donc ce paradis? Ce paradis, c'est la connaissance d'Allah, le fait de se sentir proche d'Allah et le fait d'être pressé de le rencontrer. Allahu Akbar. Ça, c'est le paradis dans ce bas monde. Quand tu prends Allah comme seule divinité, quand tu délaisses les péchés et tu adores Allah uniquement d'un culte sincère, et qu'à chaque adoration, tu sens le goût de la foi. Ça, c'est le plaisir. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est la belle vie. Ça, c'est le paradis dans ce bas monde. Et ce qui attend les croyants dans l'au-delà, ce qui attend les croyants dans l'au-delà, personne ne peut l'imaginer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, on va amener an'am ahli dunya. On va amener Yom Al-Qiyamah celui qui a reçu le plus de plaisir dans ce bas monde, mais dans le haram, parmi les gens qui n'ont pas l'iman, on va l'amener, on va le tremper en enfer un court instant et l'en sortir. Puis on va lui demander, est-ce que tu as déjà été heureux dans ce bas monde? Est-ce que tu as déjà vu un bien dans ce bas monde? Il va jurer qu'il n'a jamais connu le bonheur.
Allahu Akbar. Qui est-il? Le plus heureux des gens dans ce bas monde, dans le haram. Un court instant dans l'enfer va lui faire oublier tous ses plaisirs de ce bas monde. Quel est donc ce bas monde qui est oublié en un instant passé en enfer? Lui comparer maintenant. On va amener le plus malheureux des gens de ce bas monde, mais parmi les croyants. Puis on va le faire entrer au paradis un court instant et l'en sortir. Puis on va lui demander, est-ce que tu as déjà été malheureux? Il va jurer que jamais il n'a connu le malheur. Allahu Akbar. Quel est donc ce paradis qui fait oublier une vie entière dans la difficulté? Mes chers frères, est-ce que ça ne vaut pas le coup de délaisser le mal et de se diriger vers le bien? Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'étudier son dîn, de le mettre en pratique, de divorcer à trois reprises la dunya et ses péchés, et de contracter le contrat pour Yom Al-Qiyam en avançant la dot? Et celui qu'on t'a envoyé pour faire ce contrat, c'est le meilleur de la création, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui te donne cela, c'est Allah Azza wa Jal, le riche. Celui qui ne meurt jamais ne manque pas à sa promesse. C'est sans cela, tazkiyatun nafs wa tathiru al-qulub. Cette science-là, la purification de l'âme, la purification de la personne, c'est très très important. C'est une grande part de la religion. Le fait de lire ces sujets, d'étudier ces sujets, pour se corriger, pour avoir des bases saines et se lever. Le prophète sallam donnait beaucoup d'importance à ces sujets-là. Et les savants ont beaucoup écrit dans ce sujet-là. Et parmi les grands livres qu'il nous faut avoir chez nous et étudier, il est en arabe. Non, il y a le livre Al-Ubudiyya, le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il y a beaucoup de points semblables car c'est l'élève d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim qui a écrit ce livre et l'élève d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ibn Taymiyyah a un livre qui s'appelle Al-Ubudiyya, la servitude. Étudiez ce livre, lisez-le. Étudiez ce livre et lisez-le. Des savants ont fait l'explication. Et pour ceux qui sont francophones, il y a notre frère Sadaq Wafakahullah qui enseigne ce livre à Mada, la mosquée de Gouss, dans une des mosquées de Goussainville. J'ai oublié les jours, peut-être le mardi et le samedi. Probablement à 19h. Vous regardez sur le site La Voix Droite, c'est un livre qui est très important. Et c'est un livre qui est aussi sur la purification de l'âme. Barakallahu fikou. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous montre que tout le prophète sallam plutôt nous montre que tout le monde fait du commerce. Et le risque, c'est pas de l'argent à gagner ou perdre, mais il est bien plus important que ça, c'est son âme, sa personne. Paradis ou enfer. Paradis ou enfer. Nas'alullah azza wa jal al-jannah. Wa na'udhu billahi minan nar. Nas'alullah azza wa jal al-jannah. Wa na'udhu billahi minan nar. Nas'alullah azza wa jal al-jannah. Wa na'udhu billahi minan nar. Certaines personnes se voient une longue espérance de vie. Et ils se disent, plus tard, je vais me repentir. Et ils sont prêts même à faire des voyages pour obtenir du bénéfice, de plaisir dans le haram. Certains vont en Thaïlande, d'autres dans tel pays, d'autres dans tel autre, pour le haram. Cette personne, elle se dit peut-être que plus tard, elle va se repentir. Alcool, drogue, femme ou hakata. Mais qu'elle imagine un seul instant que durant ce voyage, il décède. Quelle aura alors été sa fin? De quoi est-ce qu'on va se souvenir de lui? Un voyage où il voulait aller faire le haram. Et si les gens ne le savent pas, certes le Seigneur des gens le savait. Et il va être ressuscité avec ses mauvaises choses. Certains décèdent en état d'ébriété. Ils ont de l'alcool dans le sang. Le prophète nous dit que la personne sera ressuscitée en son état. Celui qui décède en faisant du haram, il sera ressuscité en faisant du haram. Othman ibn Affan s'est vu en rêve avant de décéder que le prophète sallam lui a dit Somme, jeûne, touftir indana, tu vas rompre ton jeûne auprès de nous. Le prophète sallam fait partie des gens du paradis. Il a jeûné, il a lu le Coran, il a porté un izar sous son vêtement et il a été assassiné en ce jour-là avec le mushaf dans la main en état de siyam. En lisant le Coran, radiallahu an, ça ce sont des gens qui ont compris le commerce avec Allah Azza wa Jal. Omar ibn Khattab, avant lui, comment est-ce qu'il est décédé? Puis Salat al-Fajr, Salat al-Jama'a, en tant qu'imam, en train de lire le Coran,
في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans les meilleures des situations. Dans la meilleure des situations. Et c'est ainsi que sont décédés beaucoup de bonnes personnes. C'est qu'Allah Azza wa Jalla leur facilite une bonne action. Après, il reprend leur âme. فنسأل الله عز وجل حسن الخاتمة ويوفقنا لتوبة النصوح وكلمة والتلفظ بكلمة التوحيد قبل ذلك. Il y a une maladie qui est très grave qu'il faut combattre en se rappelant la mort, et que ce bas monde passe très vite. C'est ce qu'on appelle tulul amal, se voir une longue espérance de vie. Il ne faut pas voir que tu vas vivre longtemps. Le prophète alayhi salatu wassalam a donné le remède. Il a dit à Abdullah ibn Omar, un jour il l'a pris par l'épaule et il lui a dit: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou un simple passant voyageur. Abdullah ibn Omar a été affecté par cette parole et lui-même conseillait aux autres cela. Et il disait: lorsque tu attends le matin, yani lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Yani vis comme si tu allais mourir chaque jour. Et va dormir comme si tu allais mourir chaque nuit. Ou arrive au soir et dis-toi: je vais mourir dans cette nuit. Et lorsque tu... Yani prends de ta santé pour ta maladie et de ta vie pour ta mort. C'est-à-dire lorsque tu es en santé, agis pour les jours où tu ne pourras pas agir dû à la maladie. Et maintenant que tu es vivant, agis pour les jours où tu ne pourras plus agir après la mort. Ça, c'est les nasa'ir de Abdullah ibn Omar radiallahu anhu. Donc ça coupe. Le fait de se voir, ça casse le fait de se voir une longue espérance de vie. Ça te fait mal agir. Quand tu vois que tu vas rester longtemps et qu'il te reste beaucoup de temps, tu agis mal. Mais lorsque tu vis comme si tu allais mourir chaque jour, à ce moment-là, tu agis. Un des hommes, ils disent de lui, peut-être Mohammed ibn Munkadir ou un autre parmi les anciens, radiyallahu arrahimahumullah, on dit, plutôt c'est Hamad ibn Salama, il me semble, rahimahullah, il disait de lui: si on disait à Hamad ibn Salama, tu meurs demain, tu vas mourir demain, il ne trouverait pas d'action à rajouter. Allahu Akbar. Il ne trouverait pas d'action à rajouter. Subhanallah. Il ne dirait pas par exemple: il faut que j'aille faire vite le Hajj cette année. Non, ce sont des gens qui faisaient le Hajj chaque année pour beaucoup d'entre eux. Ou il faut que je fasse une sadaqa vite. Non, chaque jour il faisait sadaqa. Il faut que je prie cette nuit, il faut que je jeûne ce jour. Non, ils jeûnaient, ils priaient, ils agissaient comme s'ils allaient mourir chaque jour. Il faut que j'aille demander un pardon à un tel, ce sera trop tard. Non, ils n'attendaient pas, ils faisaient tauba, ils allaient vite voir la personne quand elle faisait une faute. Ils lui demandaient pardon. Parce qu'ils avaient peur le jour des comptes. Un homme était allongé sur son lit de mort. Son épouse, elle pleurait à ses côtés. Il lui a dit: pourquoi est-ce que tu pleures? Elle lui a dit: je pleure pour toi. Et il lui a dit: si tu veux pleurer pour quelqu'un, pleure pour toi-même. Moi, ça fait 30 ans que je pleure pour ça, j'attends ce jour-là. Allahu Akbar. Ça fait 30 ans que je me prépare pour ce jour-là. Certains parmi les anciens, ils pleuraient pendant 30 années à côté de leurs épouses dans le lit par peur d'Allah Azza wa Jal. Elles ne l'ont jamais su. Ils cachaient cela entre eux, Allah Azza wa Jal. Voici nos anciens, voici nos exemples. Voici ce dont nous devons lire la biographie. Pas les gens de cette époque. Pas les gens de cette époque, ils n'est pas à l'abri de s'égarer. Par contre, nos anciens, en commençant par le prophète sallam, puis sahaba, puis tabi'un, puis atba'uhum, et ainsi de suite. Voici l'élite. Voici les meilleurs de notre communauté. Puis, Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nous dit, inna Allah ashtara min al-mu. Il nous dit la parole d'Allah Azza wa Jalla: inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna yuqtalu wa'dan 'alayhi haqqan fi at-Tawrat wal-Injil wal-Qur'an. Wa man awfa bi 'ahdi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwa al-fawz al-'azim. Fa hadha awwal naqd min thaman hadhihi at-tijara. Min thaman hadhihi at-tijara. Fatajiru ayyuha al-muflisun. ويا من لا يقدر على هذا الثمن هنا ثمن آخر فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وقول تعالى أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة وكفى بذلك عقوبة والله المستعان. ابن القيم رحمه الله تعالى نجي pour finir. C'est là, طيب, avant ça, il nous a donc montré que les gens se divisent en deux dans le commerce. Il y a ceux qui vont avoir la grande peur qu'au Al-Qiyamah, ils vont s'apercevoir qu'ils se sont fait tromper. Et il y a ceux qui vont se réjouir, ils ont été intelligents, ils ont vendu ce bas monde, délaissé les péchés pour obtenir l'au-delà, la demeure du paradis éternellement. Puis il nous dit qu'il y a un commerce et que les intelligents commercent chaque jour pour affranchir leur âme. Quel est le prix? Il nous dit, Allah a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en échange du paradis. Ils font des efforts dans le sentier d'Allah. Ils combattent et succombent. C'est une promesse véridique qu'il a faite dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui mieux qu'Allah tient sa promesse? Et réjouissez-vous du commerce que vous avez fait, et c'est là l'immense succès. Allah Azza wa Jalla nous enseigne dans le Coran qu'il y a fait un commerce. Il y a un commerce entre les croyants et Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous vend le paradis en échange du tawhid, en échange de la sunna, en échange de l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Puis il dit aux croyants, réjouissez-vous du commerce que vous avez fait. C'est là l'immense succès, ça c'est la réussite, ça c'est le grand bénéfice. Ibn Qayyim nous dit, c'est là le premier prix de ce commerce. Alors commercez, ô vous qui êtes sans sous, ô vous les pauvres, vous qui n'avez pas de sous, faites du commerce. Ô toi qui ne peux t'acquitter de ce prix, il en est un autre. Yannis, tu n'as pas ce niveau-là, il y a un autre niveau. Tu veux le paradis, il y a un autre niveau. Tu veux payer ce prix, écoute ce qu'Allah a dit. Selon la traduction des sens, sont ceux qui se repentent, adorent Allah, le loup, parcourent la terre. Dans une autre explication, le tafsir, ceux qui jeûnent, as-sa'ihun, les savants divergent sur le sens de as-sa'ihun. Beaucoup de savants disent, c'est-à-dire as-sa'imun, ceux qui jeûnent. En gros, ici, Ibn Qayyim a cité le verset où on nous mentionne des adorations. D'accord? Où on nous mentionne des adorations, le verset 112 de Surat At-Tawbah, qui est venu à la suite de la citation du commerce entre Allah et les croyants. C'est-à-dire que le prix du commerce, le prix de l'achat, est en réalité ces adorations-là. Ceux qui se repentent, donc le repentir, ceux qui louent Allah, ceux qui jeûnent, ceux qui s'inclinent, se prosternent, recommande le convenable, ordonne le bien, interdise le mal, observe les lois d'Allah, wabashir al-mu'minin, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Ibn Qayyim nous dit, c'est ça le prix. Tu veux le Jannah, c'est ça le prix. Repends-toi, loue Allah, jeûne, prie, incline-toi, prosterne-toi, ordonne le bien, interdis le mal, et ainsi de suite. Et puis, annonce la bonne nouvelle aux croyants. Puis il cite un autre verset, dont la traduction des sens sont, ô vous les croyants, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Donc tout ça, ce sont les preuves de quoi? Qu'il y a un commerce dans ce bas monde et que tout le monde fait ce commerce. Mais certains affranchissent leurs âmes et d'autres perdent. D'autres perdent. Mais celui qui perd, c'est pas comme dans le dunya. Tu dis, j'ai pas fait de bénéfice cette année, j'en ferai l'année prochaine, pas fait de bénéfice ce mois-ci, je vais me rattraper le mois prochain. Non. Non. Il y a le jour du jugement et après c'est fini. Il y a une partie qui entrera au paradis, il y a une partie qui entrera en enfer. Eux ont fait du bénéfice, eux ont tout perdu. Il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas entre les deux. Ô vous les croyants, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en son messager. Ça c'est le prix. Vous croyez en Allah et son messager. Vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Pour conclure, en somme, les péchés font oublier à l'homme sa part de ce commerce profitable. Les péchés font que tu oublies le commerce avec Allah, d'affranchir ton âme et de gagner le paradis. En l'occupant par différents moyens, par un commerce perdant. Quand tu fais des péchés, on te fait oublier le vrai commerce et on t'occupe avec le commerce de ce bas monde, le commerce des perdants. Et c'est là un châtiment suffisant qu'Allah nous vienne en aide. Le simple fait d'oublier de travailler pour ta personne et construire ton paradis, et être occupé par ce bas monde, Ibn Qayyim dit, ça c'est un châtiment qui est suffisant.
C'est une punition qui est suffisante pour nous faire sortir de ce problème, pour faire en sorte qu'on se réveille, qu'on arrête et qu'on rentre réellement dans le vrai commerce, qu'on court après cette marchandise qui est le paradis. Et la marchandise d'Allah, elle a une grande valeur. La marchandise d'Allah Azzawajal a une grande valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la mawdi'u sawti ahadikum fil jannah khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Écoutez bien ce hadith. Vous voulez voir la valeur du paradis et l'espace de ce que vous aurez au paradis, un petit espace infime? Écoutez ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'espace d'un petit bâton. Vous voyez ce qu'occupe un petit bâton comme espace sur la terre? Je jette un petit bâton, l'espace que ça occupe. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit: l'espace d'un petit bâton au paradis, est meilleur que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Vous avez compris le hadith? Le petit espace que remplit un bâton, cette part-là au paradis, est meilleur que tout ce bas monde et ce qu'il contient. Allahu Akbar. Ça montre entre autres deux choses. Et ça m'a dit, ça montre entre autres deux choses. La première, c'est la grande valeur du paradis et le caractère sublime du paradis. La deuxième, c'est le caractère vil de ce bas-monde. C'est que ce bas-monde ne représente rien. Qu'il est incomparable au paradis. Comment est-ce qu'on va vendre alors l'au-delà, dont l'espace d'un petit bâton est meilleur que tout ce bas-monde, pour obtenir une petite partie de ce bas-monde et délaisser l'au-delà, dont la petite partie de ce bâton est meilleure que ce bas-monde et tout ce qu'il renferme? Allah musta'an. Comme a dit Muqayyim rahimahullah ta'ala, Allah musta'an. Tout à l'heure, nous parlions du livre Al-Ubudiyya d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Le cours de notre frère Sadiq wafaqahullah a lieu samedi après la prière du Asr à Goussainville et dimanche après la prière du Maghrib. Non, dimanche c'est à 19h. Dimanche c'est pas après le Maghrib, c'est à 19h. Barakallahu fikoum. Vous avez les informations sur le site, la voie droite. Tayyib. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن عقوبتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة فتزيل الحاصلة وتقطع الواصل فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة سببا يجلبه وآفة تبطله فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته وآفاتها المانعة منها معصيته فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها فإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. Le chapitre suivant et l'effet suivant des péchés et des désobéissances, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que les péchés font disparaître les bienfaits d'Allah sur son serviteur. Les péchés font disparaître les bienfaits d'Allah sur son serviteur. Les péchés font disparaître les bienfaits existants et empêchent la survenue des bienfaits à venir. On ne préserve pas mieux, notez ça, on ne préserve pas mieux les bienfaits d'Allah existants et on ne provoque pas mieux la survenue des bienfaits manquants qu'en lui obéissant. Ça, c'est une qaïda azima, nafi'a. Ça, c'est une parole très profitable et une règle en or. C'est qu'il n'y a pas une meilleure chose qui rapproche de nous, qui met sur nous les bienfaits d'Allah,
Et il n'y a pas une meilleure chose qui préserve sur nous les bienfaits d'Allah déjà présents que d'obéir à Allah. Puis il nous dit, car on ne peut parvenir à ce qui est auprès de lui qu'en lui obéissant. Certains pensent qu'en faisant des péchés, ils vont avoir meilleur, plus béni. Non. C'est en obéissant à Allah Azza wa Jalla qu'on a plus meilleur et béni. Allah a établi pour toute chose des causes amenant à sa survenue ou à sa disparition. Ainsi, il fait de l'obéissance qu'on lui voue une cause de survenue et de ses bienfaits, de survenue de ses bienfaits, et de la désobéissance qu'on lui oppose une cause empêchant la survenue de ses bienfaits. Si Allah veut préserver les bienfaits de son serviteur, il lui inspire de les préserver en lui obéissant à travers. Quand Allah veut le bien et veut que ses bienfaits restent sur son serviteur, il le guide à rester sur la droiture et obéissant. Et s'il veut les faire disparaître, il l'abandonne jusqu'à ce qu'il lui désobéisse à travers. Allah Azza wa Jal, soit il nous donne de par sa grâce et sa bienfaisance avec largesse, soit il nous donne ce qu'on mérite de par sa justice. Et ton Seigneur n'opprime personne. Soit il nous donne avec largesse, il nous guide, il nous protège et il garde les bienfaits sur nous. Ça c'est grâce à lui, subhanahu wa ta'ala, pas parce qu'on le mérite. Soit il nous donne ce qu'on mérite et il nous abandonne. À ce moment-là, on s'égare et on perd. On commet des péchés et on perd les bienfaits. Et on a déjà cité auparavant dans le livre, il n'y a pas un bienfait qui vient si ce n'est suite à une obéissance. Et il n'y a pas un bienfait qui disparaît. Pardon, il n'y a pas un bienfait qui disparaît si ce n'est suite à un péché. Et il n'y a pas un bienfait qui vient, qui survient suite à, si ce n'est suite à un repentir. À un repentir. ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسي وغيري وسماعا لما غاب عنه من أخبار ممن أزيلت نعم الله عنه بمعاصي وهو مقيم على معصية الله كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه وواصل إلى الخلق لا إليه فأي جهل أبلغ من هذا وأي ظلم للنفس فوق هذا فالحكم لله العلي الكبير. Il est étonnant de constater que l'homme sache cela, comme est étrange que l'homme sait pertinemment qu'en faisant des péchés, les bienfaits d'Allah vont partir, et qu'en lui obéissant, les bienfaits d'Allah vont rester et venir. Malgré ça, il fait des péchés. Malgré ça, il obéit pas à Allah. Il est étonnant de constater que l'homme sache cela, le voit en lui, et d'autres entendent parler de ceux qui ont perdu les bienfaits d'Allah en lui désobéissant et persistent malgré tout dans la désobéissance à Allah, comme si lui faisait l'exception à la règle. Comme si il faisait l'exception à la règle et que cela frappait les gens, mais pas lui. Est-il une ignorance plus grande que celle-ci? Est-il une plus grande injustice envers l'âme que celle-ci? Ça, c'est une injustice envers nous-mêmes. On n'opprime pas Allah, on opprime nous-mêmes. Le jugement appartient à Allah, l'élevé, le grand. Donc, pour finir, on a entendu ici des deux chapitres du livre Ad-Dawa d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Le premier, Al-Ma'asi, Tunsil Abd Nafsa. Celui qui fait des péchés, il va s'oublier lui-même. Il ne va plus obéir à Allah, il ne va plus affranchir son âme pour entrer au paradis. Il va oublier d'agir pour son au-delà. Allah va l'abandonner. Et lui-même va abandonner sa personne. Puis lui-même va abandonner sa personne. Le deuxième point qu'on a cité, c'est que celui qui fait des péchés, il va perdre les bienfaits d'Allah. Le plus grand bienfait, c'est l'iman. Sa foi, elle va diminuer, peut-être disparaître. Wal'iyadu billah. At-tamassuk bi sunnah, la sunnah, il est sur la sunnah. Il va s'éloigner jusqu'à rentrer dans la bid'a. La santé, il va la perdre. La richesse, il va la perdre. La baraka, il va la perdre. Sa famille, il va la perdre. La sérénité dans le foyer, il va le perdre. Son travail, et ainsi de suite. Les péchés, ça fait disparaître tout le bien. Donc il nous faut sincèrement revenir à Allah Azza wa Jal, se délier des chaînes des passions, se délier des chaînes de l'insouciance. Wa sallallahu ma baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.